l'invitation. Alors aujourd'hui nous sommes encore venus pour vous présenter la vidéo qui tourne autour de la vraisemblance et de la vraisemblance. Si vous voulez être en phase ou bien être en contact directement avec ces jeunes, vous entrez sur YouTube et vous tapez Yvon Ndiaye et vous avez tout ce dont vous avez besoin. Des résumés sur les discussions, des dissertations, etc., etc. Alors nous vous invitons aussi à aimer davantage la chaîne, à la partager et aussi à apporter des solutions avec des questions, tout ce qui semble flou, tout ce qui semble clair, tout ce qui semble, tout ce que vous ne comprenez pas. Alors on vous invite d'une part à ne pas vous soucier de ça parce que nous sommes et nous serons tout le temps à votre disposition. Encore une fois, nous vous invitons à aimer davantage ou à s'abonner davantage dans notre chaîne YouTube. À tous et à tous, bonjour. Là, comme vous l'avez pensé pour aller très vite, aujourd'hui, il est question de travailler sur un des axes du roman. En réalité, le roman tourne autour de quatre possibilités. Vous comprenez par les possibilités, les types de sujets possibles. On peut avoir le roman en général, les personnes en particulier, la vidéo est déjà enregistrée. Deuxième possibilité, on peut avoir le roman en général, les fonctions en particulier. Troisième possibilité, le roman en général, le refus et le respect des règles en particulier. Le respect des règles, c'est le respect des caractères du roman, la notion du personnage, la notion de l'histoire, la notion du narrateur, la notion du temps, la notion de l'espace. D'autre part, on peut avoir le refus des règles, c'est-à-dire la liberté de l'écriture, c'est-à-dire lorsque le romancier remet en cause des caractères imposés par le roman. Maintenant, la quatrième possibilité de sujet par rapport au roman se trouve derrière nous. On l'appelle le roman comme vraisemblance et l'invraisemblance, c'est-à-dire la réalité de la fiction. Alors, j'attire un peu votre attention avant de nous plonger au cœur de ça. Il y a certains élèves qui confondent la réalité et la fiction et les fonctionnements, alors que ces derniers sont diamétralement opposés. Alors, concernant la vraisemblance, on l'appelle nominalement la réalité et la fiction. C'est ça la vraisemblance. On l'a défini ainsi. La vraisemblance n'est rien d'autre que le voyage entre la réalité et l'imagination. Alors, si on dit le voyage, c'est-à-dire le romancier, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de s'immiscer entre ce qu'on appelle les deux. Il fait des va-et-vient entre la réalité. Qu'est-ce qu'on entend par la réalité? Ce sont des faits qui peuvent exister dans la réalité. C'est-à-dire le romancier, il s'inspire de ces faits-là. Ne confondez pas ces deux choses. Des faits qui existent dans la réalité et des faits qui peuvent exister dans la réalité. Des faits qui existent dans la réalité émanent de Dieu. Des faits qui peuvent exister émanent du romancier. Comment? Le romancier s'inspire de ces faits que Dieu a créés pour mettre en évidence ce qui reflète la réalité. Maintenant, il imagine sa propre histoire, il imagine ses personnages, il imagine le temps, il imagine l'espace, il imagine son narrateur. Vous avez comme l'impression que c'est la réalité. C'est ça qu'on appelle la vraisemblance. Donc, la vraisemblance, comme j'ai dit tantôt, c'est le reflet du réel. C'est la reproduction de la réalité. C'est une imitation de la réalité. C'est une photocopie de la réalité. C'est une photographie de la réalité. Maintenant, par exemple, si nous entrons un peu dans les détails, on peut passer par l'histoire qui semble être vraisemblable. Ou bien, on peut passer par des personnages qui semblent aussi être vraisemblables. Autrement dit, si vous avez un sujet qui parle quand même de la vraisemblance, comme j'ai dit tantôt, c'est la réalité et la fiction, sur le premier paragraphe, l'élève peut passer par des histoires vraisemblables. C'est-à-dire, comment comprendre que ces histoires sont vraisemblables? Vous avez comme l'impression que c'est vrai. Comme disait Guy de Maupassant, créer l'illusion du vrai consiste à dire vrai, même si nous suivons ce qu'on appelle la logique ordinaire des faits. Vous avez comme l'impression que cette histoire est une réalité parfaite. L'exemple le plus littéral, on prend notre propre exemple, l'étranger d'Albert Camus. Là, nous avons une question de procès, de meurtre, de procès, bien entendu, avant, pendant et après. Avant marque le début de l'histoire. Maintenant, pendant, marque, c'est là où se passe réellement ce qu'on appelle les événements. Maintenant, et après, ça marque la fin de l'histoire. Morceau de soir, le télégramme. La maman est morte. C'est la noce. Ça, c'est le début de l'histoire. Il prend deux jours de congé. Il prend le bus, il rejoint Marengo. Il observe deux jours de veille nocturne. Le surlendemain, sous son soleil de plomb, Morceau vient d'enterrer sa mère. Le soir même, Morceau rentre en Algérie. Le surlendemain, Morceau, comme il est d'apparat, autrement dit, il vient d'assigner un arabe. Morceau est arrêté, Morceau fut jugé, Morceau fut condamné à mort. Vous avez comme l'impression que l'histoire, c'est vrai, parce que c'est la vraisemblance. Combien de personnes ont tué? Combien de personnes s'accomplissent en prison? Combien de personnes ont enterré leur maman? C'est ça qu'on appelle la vraisemblance. Donc, dans la vie réelle, c'est la réalité absolue, mais dans le roman, on l'appelle la vraisemblance, parce que l'auteur s'est inspiré des faits qui peuvent exister dans la réalité. C'est la raison pour laquelle Louis Aragon dit le roman est un menteur vrai. D'autre part, pour attaquer le deuxième paragraphe sur la vraisemblance, l'élève peut passer par les personnages qui reflètent la réalité, c'est-à-dire des personnages qui ressemblent à une personne réelle.
Ces personnes déterminent minimum trois critères d'un être humain. Lesquels? La personne porte un nom parce qu'il est issu d'une famille, il a une maman, il a un papa, autrement dit, il a un père biologique. Comme Tundi. Nous avons Tundi dans une ville de Boy de Fernand Beuno, Moursour dans les Transits d'Albert Camus, Fama dans les Soreilles des Indépendances, et Mme Bovary dans Mme Bovary de Bissau-Flaubert. Deuxième critère d'un être humain, le personnage réussit à s'exprimer autrement dit comme nous, il est capable d'échanger avec son entourage. Revenons un peu sur l'étranger, Monsour lorsqu'il fut arrêté au niveau de sa cellule, soit sa petite amie Marie est allée dans une visite et lui a posé la question à savoir est-ce que ça te dirait de nous marier une fois d'or. Monsour répond sans embâche, ça m'est égal. Qu'est-ce que vous avez constaté? Monsour échange avec son entourage, comme nous sommes en train d'échanger avec notre entourage. Troisième critère d'un être humain, le perdant a ce qu'on appelle un comportement, ou bien le portrait. Le portrait peut être physique, le portrait peut être moral. Qu'est-ce qu'on entend par le portrait physique? C'est la description du personnage. Emma Bovary, elle est mince, comme les filles, bien entendu. Tundi, c'est un gringalet, c'est-à-dire une personne qui n'a pas de taille grande. Moursour aussi n'est pas grand de taille, mais Fama, c'est un Yoruba. Qu'est-ce qu'un Yoruba? Moi, une personne qui a la corpulence de leader. Maintenant, nous avons l'autre type de portrait, c'est-à-dire le portrait moral, le comportement du personnage comme un être humain. Soit vous avez un comportement positif, soit vous avez un comportement négatif dans la réalité. Si le personnage détient un comportement positif, on l'appelle un personnage modèle. Comme le cas de Fama Salimata dans les Soirées des Indépendances. Salimata incarne une épouse qui soutient son mari dans les conditions les plus difficiles, parce que vous savez pertinemment que dans les Soirées des Indépendances, Fama était un pauvre. Mais il n'a pas été guidé par sa femme Salimata. Au contraire, Salimata avait décidé de rester dans son foyer malgré sa sérénité et souligner ce qu'on appelle son mari Fama. Maintenant, d'autre part, le personnage anti-modèle qui incarne un comportement négatif, Emma Bovary. Elle se marie par intérêt avec Charles. Elle jouait le domicile conjugal. Elle commence à prôner l'adultère. Par peur d'être démasquée, Emma vient de mettre fin à sa vie. Dans ce cas-là, vous avez ce qu'on appelle la vraisemblance. Maintenant, il y a des mots qui nous renvoient directement vers la vraisemblance. Quels sont les mots? Si l'élève voit, par exemple, reproduction, quand l'élève voit, représentation, quand l'élève voit, imitation, quand l'élève voit, photocopie, quand l'élève voit, photographie, fermer les yeux, ça devient forcément ce qu'on appelle la vraisemblance. Et là, nous avons d'autre part l'opposé de la vraisemblance, plus connu sous le nom de l'invraisemblance. Qu'est-ce qu'on entend par l'invraisemblance? Tout ce qui est fiction, tout ce qui est faux, tout ce qui est affabulation, tout ce qui est irréel, tout ce qui est mensonge, tout ce qui dépasse le cadre de la raison. Maintenant, comment faire? Reprenez les histoires, mais cette histoire devient invraisemblable. Comme par exemple, si vous prenez le tour du monde en 80 jours, c'est une question de pari à faire le tour du monde en 80 jours par la pertinence Village Fox. Qu'est-ce qu'il a fait, le Bernard? Il avait parié avec ses amis à faire le tour du monde en 80 jours. En cours de route, certes, il a rencontré des difficultés, mais il fut aidé par son contre-maître passe-partout. Phileas Fox, malgré les difficultés, aidé par son contre-maître, il réussit à gagner son pari à faire le tour du monde en 80 jours, dans son image, dans son vie, dans ce cas de figure. Là, l'histoire est déformée, l'histoire est invraisemblable, ça ne devient en aucune manière ce qu'on appelle la réalité. Deuxième paragraphe qui passe par les personnages, comme j'ai dit, ça c'est le personnage vraisemblable, puis le fait de l'écrire, comme j'ai dit. Maintenant, ce personnage-là, c'est un personnage invraisemblable ou bien fictif. Qu'est-ce qu'un personnage justement fictif ou bien invraisemblable? Un personnage considéré comme un super-héros, un personnage qui n'a pas de limite, un personnage qui réussit tout ce qu'il entreprend. Son courage, son abnégation, sa bravoure dépasse ce qu'on appelle le cadre de la raison. C'est le cadre qui nous avons ce qu'on appelle Harry Potter de Joanne Rowling. Qu'est-ce qu'il fait, ce Harry Potter, dans ce livre-là? Il contrôle des obstacles par le biais de la magie et ce qu'on appelle de la sorcellerie. Nous avons Gargantua de François Rabelais avec Pantagruel. Lorsqu'il venait au monde, vous m'excusez, parce que c'est François Rabelais qui l'écrit. Pantagruel était passé par l'oreille de sa mère. Le jour même de sa naissance, il avait porté des habits d'un adolescent. Et pour l'arrêter, ses parents sont obligés de faire appel à plus de 1000 vaches. Ça, c'est l'invraisemblance. Donc là, vous avez la première partie, là, vous avez ce qu'on appelle la deuxième partie. Et enfin, est-ce que la vraisemblance et l'invraisemblance, la réalité et la fiction peuvent être complémentaires pour le besoin de ce qu'on appelle le roman? Bien entendu, on peut bel et bien avoir une synthèse, c'est-à-dire la troisième partie. Là, le roman peut être à la fois vraisemblance et invraisemblance. Comment vous prenez Amadou Kourouma dans les Soirées des Indépendances? L'aspect invraisemblable est démontré par l'homme de l'Ibrahim Okoni qui marche alors qu'il est déjà mort. Ça c'est l'invraisemblance incarnée. Toujours dans le roman, d'autre part, l'aspect vraisemblable est démontré par la vie de Fama dans l'espace des Indépendances. Donc Fama représente la vraisemblance parce que c'est le présent qui devient ce qu'on appelle réel. L'histoire de l'Ibrahim Okoni inconnu lui-même représente la vraisemblance parce qu'il est déjà mort, mais la nuit, il sort ce qu'on appelle en marchant. Si vous avez ces actes dont je viens de dire, la vraisemblance et l'invraisemblance, c'est-à-dire la réalité de la fiction, et ce qu'on appelle cette fiction-là, c'est en poche. Maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'église d'application, qu'est-ce qu'on a dit? Le roman se distingue par son attribut non seulement à reproduire
la réalité, mais aussi, là vous avez constaté qu'il y a l'expression mais aussi, on va y aller tout de suite, à pouvoir la défendre. Qu'est-ce qu'on entend par son aptitude, c'est-à-dire sa capacité à reproduire ce qu'on appelle la réalité, c'est-à-dire le roman fait tout pour refléter la réalité, le roman fait tout pour refléter ce qu'on appelle la vie. Là, c'est la vraisemblance incarnée bien entendu, comme j'ai dit tantôt. Le roman, c'est qu'est-ce qu'il fait? Il s'inspire des faits qu'il peut glisser, il met en évidence l'œuvre de l'œuvre, mais aussi, là, sa capacité à pouvoir la déformer. Le roman remplace quoi? La réalité. C'est-à-dire, le roman est invraisemblable. Qu'est-ce que ça donne à ce qu'on appelle dans le sens? Le roman met en évidence le reflet du réel, mais aussi la fiction. Le roman met en évidence le reflet du réel, mais aussi la fiction. Et vous avez ce qu'on appelle votre formulation pour ne pas avoir de sens. Alors, revenons au mot sur mais aussi avant de dégager la problématique. Le mais aussi fait allusion à une double thèse. C'est la famille qui s'accompagne avec est, tel, pareil, autant que, mais aussi à la fois. Si vous avez ces mots dans une université, devant vos sujets, dites-vous que c'est une double thèse. Regardez, si on s'arrête là et la consigne est fermée, la partie A, ça devient le roman comme vraisemblance, c'est-à-dire le roman qui reflète la réalité. La partie B, ça devient ce qu'on appelle le roman comme vraisemblance, c'est-à-dire le roman comme fiction. Maintenant, on ferme la consigne, vous êtes obligé de travailler sur la double thèse. Juste un exemple. Mais attention, on peut aussi avoir le mais aussi, ou bien l'un, ou bien à la fois, ou bien autant que, dans une consigne. Mais là, on a dans un sujet. Est-ce que moi, je dois travailler sur la double thèse? Ça, c'est la consigne qui l'a dit. Pourquoi? Parce que la consigne est guidée. Là, qu'est-ce qu'on a? Si on dit, comme j'ai dit tantôt, le roman met en évidence le reflet du réel, mais aussi la fiction, là, vous avez ce qu'on appelle votre sens. Maintenant, la problématique, on prend toutes les deux. Pourquoi? Parce que toutes les deux parties sont confirmées. Mais s'il y avait une paternité, on ne la problématise pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Toutefois, le roman se limite réellement à la vraisemblance, mais aussi à l'invraisemblance. C'est la problématique la plus simple. Toutefois, le roman se limite réellement à la vraisemblance, mais aussi à l'invraisemblance. Si vous avez même aussi, ne la changez pas. Maintenant, s'il est tenu, qu'est-ce qu'il fait? Malgré, je n'ai pas encore regardé la consigne, mais je sais que c'est la réalité, la fiction. Pourquoi? Parce qu'il y a reproduction, il y a ce qu'on appelle déformer la réalité. Maintenant, l'évêque, il peut faire les quatre premières parties sans pour autant pousser son plan. Pour la seule et simple raison, pourquoi moi, j'utilise cette méthode? Je n'ai pas besoin de la consigne en exploitant mon sujet, parce qu'on ne sait jamais. Dès demain, le jour du bac, c'est-à-dire le 5 juillet de ce mois, de cette année bien entendu, vous pouvez tomber sur une consigne fermée. Je ne la souhaite pas. Je souhaite la consigne guidée, mais on ne sait jamais. Donc, ayez l'habitude d'analyser le sujet sans la consigne, si c'est possible. Alors maintenant, pour faire la situation du sujet, pour annoncer le sujet, pour reformuler, pour problématiser, c'est-à-dire les quatre premières parties de l'introduction, on n'a pas besoin de la cinquième partie, c'est-à-dire la consigne. Maintenant, le plan, qu'est-ce qu'il faut faire? Ne dites jamais l'essence et l'orientation des œuvres romanesques. Non, 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 parce que c'est la réalité de la fiction. La situation change. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le rapport entre l'art et la réalité a toujours été source de polémique de la part des romanciers. Deuxième phrase, nous donnons la situation. Ainsi, certains romanciers préfèrent prendre en charge la vraisemblance, mais aussi l'invraisemblance. Parce que ce sont les deux qui ont été confirmés. Mais s'il y avait la vraisemblance seulement, ainsi certains romanciers préfèrent prendre en charge la vraisemblance. S'il y avait l'invraisemblance seulement, ainsi certains romanciers préfèrent prendre en charge l'invraisemblance. Maintenant, si vous terminez, deuxième partie de l'introduction, annoncez le sujet. C'est dans cette logique que s'inscrit le sujet suivant. Le roman se distingue pour son amplitude, non seulement à reproduire la réalité, mais aussi à pouvoir la déformer. Maintenant, après la troisième partie, vous faites la reformulation. Autrement dit, le roman met en évidence la vraisemblance, mais aussi la fiction. Maintenant, la quatrième partie de la problématique, toutefois, le roman se limite réellement à l'invraisemblance, à la vraisemblance du moins, mais aussi à l'invraisemblance. Point d'interrogation. Maintenant, l'élève est dans les dispositions d'entrer au cœur de la consigne pour sortir les différentes parties qui nous attendent. Qu'est-ce qu'on a dit? Vous justifierez cette affirmation en montrant d'une part, ça c'est la première partie, que le roman est une représentation de la première partie, serait là. D'autre part, il serait plutôt une déformation de la réalité. Vous avez la deuxième partie. Et enfin, vous montrerez que la production romanesque doit allier réalité et fiction. Alors, si on dit, en montrant d'une part que le roman est une représentation du réel, ça sous-entend que la thèse tourne pas de la première partie, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le roman comme vraisemblance. À défaut de dire la vraisemblance, l'élève peut dire que nous avons le roman comme reflet du réel. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? D'autre part, qu'il serait plutôt une déformation de la tête, le roman devient invraisemblable. Qu'est-ce que ça donne? L'élève, qu'est-ce qu'il fait? L'élève, il sort sa nuance. Dans sa nuance, nous avons le roman comme invraisemblable ou bien le roman comme fiction. Alors, maintenant, après le roman comme fiction ou bien le roman comme invraisemblable, qu'est-ce qu'on a dit? La troisième partie. Enfin, vous montrerez que la production romanesque doit allier réalité et fiction. C'est-à-dire, la vraisemblance et l'invraisemblance
forcément l'élève, qu'est-ce qu'il doit comprendre? L'élève doit comprendre que c'est la synthèse qui entre en jeu. Dans ce cas de figure, l'orme peut être à la fois vraisemblable et invraisemblable. Alors, j'ai une première chose. S'il s'agit de la règle et la fiction, la troisième partie, c'est toujours la réconciliation entre les deux. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé d'amour pour moi dans ces soleils et les malades. Maintenant, nous étions arrêtés sur la problématique, c'est-à-dire, toutefois, le roman se limite réellement à la vraisemblance, mais aussi à la fiction. Maintenant, élaborez votre plan. J'ai toujours l'habitude de le dire. Il ne faut jamais recopier la consigne. Il ne faut pas faire ça. Parce que si vous le faites, vous pouvez rencontrer un professeur qui la refuse. Et 90% des collègues refusent de laisser dans laquelle l'élève doit recopier typiquement la consigne. Qu'est-ce qu'il faut faire pour répondre à une telle interrogation pour connecter votre plan, ce qu'on appelle la problématique? Notre analyse s'articulera autour des orientations suivantes. D'abord, regardez ici, ça c'est la thèse, on l'a reformulée autrement. Nous expliquons l'idée selon laquelle le roman reflète le réel, ou bien le roman est une vraisemblance. Ensuite, nous démontrons sa dimension fictive, ou bien nous démontrons sa dimension invraisemblable. Et enfin, nous prouvons que la réalité et la fiction vont de pair, ou bien ces deux aspects sont complémentaires, et vous avez ce qu'on appelle votre introduction. Comme j'ai dit tantôt, vous attaquez votre développement. Dans la thèse, vous prenez l'histoire invraisemblable. Si vous terminez, vous allez à la ligne. Vous dégagez ce qu'on appelle le personnage vraisemblable. Si vous terminez, fermez avec la conclusion partielle. Voici quelques arguments qui démontrent l'idée selon laquelle le roman est vraisemblable. Maintenant, vous venez au niveau de la nuance. Avec la fratransition, comme j'ai l'habitude de le dire, cependant, le roman peut être invraisemblable. En effet, le romancier prend en charge la fiction. Vous prenez les histoires invraisemblables, comme j'ai dit tout à l'heure. Si vous terminez, partez à la ligne, vous dites en outre, vous prenez les personnages invraisemblables et vous fermez avec la conclusion partielle. En somme, le roman est fictif, ou bien en somme, le roman est invraisemblable, ou bien en somme, le roman déforme la réalité. Maintenant, la troisième partie, comme j'ai dit tantôt, je la reprends parce que c'est le problème des élèves. Toutefois, la vraisemblance et l'invraisemblance ne s'exclut pas. Au contraire, elles sont complémentaires. En termes plus clairs, le roman est à la fois fiction et la réalité. Amour Gourmand dans les soleils des indépendances pour nous servir d'illustration. Dans son roman, l'aspect invraisemblable ou bien l'aspect fictif est démontré par l'âme d'Ibrahim Kolé qui marche pendant la nuit alors qu'il est mort. L'aspect vraisemblable est prouvé par la vie de femme dans l'espace des indépendances. Vous avez ce qu'on appelle votre développement. En réalité, nous sommes obligés de nous arrêter là. On vous donne rendez-vous dans 15 jours sur notre chaîne YouTube. Je vous remercie de votre aimable attention.